Là, c'est beau, hein. Vous avez la vue sur la... Ça tourne. Là, c'est beau, hein. Maintenant, vous avez la vue sur la mer, c'est magnifique, hein. Sacré Guy, hein. C'est pas la mer, ça? Non, c'est pas ta mère, non. Oh, mais c'est... Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette série de vidéos. On vous rapporte les meilleures citations, les meilleurs enseignements que nous avons reçus des plus grands conférenciers, des plus grands sportifs, des plus grandes personnalités. Que des gens top, hein, des gens comme du show business américain et international. Nous étions 1700 conférenciers internationaux à cette convention, c'était extraordinaire. Mais ils ont pas tous parlé, hein. Quand même, parce que 1700, non, c'est les meilleurs qui ont parlé. Bien sûr. Mais malheureusement, tu devais parler, puis au dernier moment, il y a eu... Mais ils ont trouvé meilleur, Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À mon avis, ils ont sauté une ligne. Il y avait bien meilleur. Dans la foulée, comme je vous le disais, donc comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, nous allons passer en revue avec vous encore une citation dans cette vidéo-là, une citation qui, moi, m'a particulièrement touché. Ça vient droit du cœur. Guy ne sait même pas quelle est la citation que je vais utiliser. Non, je sais pas, il me le dit jamais. Je le dis jamais. Donc là, il va découvrir en même temps que vous la citation. J'espère que c'est pas une connerie, hein. En général, non, dans ce genre de vidéo-là, j'évite. On vous avait parlé dans la vidéo précédente d'un Niels Brabant, notre Allemand de Berlin qui vit à Londres. Génial. Nous étions à son atelier et il a encore dit quelque chose de super important. Et ça, ça me tient beaucoup à cœur. Il a dit que les Allemands n'avaient pas d'humour. Ça, c'était dans son intervention sur scène. There is never a fast forward for experience. Never believe those who promise that success. Il n'y a pas d'accélérateur dans les expériences. Ne jamais croire ceux qui vous promettent du succès immédiat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autour de nous, sur internet, des gens vous font des promesses extraordinaires. Et chères. Pour des montants, mais faramineux. Faut payer. En vous disant, venez vous abonner à ma newsletter, venez vous abonner à mon programme et je vous garantis d'avoir du succès. C'est charlatan, ça. Et qui vous promettent monts et merveilles en un claquement de doigts. Je vais vous expliquer comment moi je suis devenu riche. Je vous le dirai, 3 000 $. Comment faire pour gagner des milliards? Venez me voir, allez sur mon site et je vais vous payer pas cher, hein, seulement 30 000 € et mon programme est super, il dure 5 minutes. Ou il y a des gens qui se lancent dans un business et se disent dans 6 mois je vais avoir le même succès que quelqu'un qui s'est lancé il y a 30 ans. On voit dans notre business aussi, et avec tout le respect que j'ai avec tous ceux qui débutent, bien entendu, on a tous dû débuter. C'est pas ça la question, c'est juste chaque chose a sa place, chaque chose en son temps. Avant d'arriver au niveau auquel je suis arrivé, j'ai eu des années et des années de chutes, d'essais, de travail, de polissage. C'est pour ça que je fais la vidéo avec lui, parce que moi, quand je fais une vidéo, j'oublie d'enlever la capsule, alors c'est tout noir. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, il n'y avait que le son. Mais c'est vrai, attends, une fois, j'avais fait la vidéo, il n'y avait pas le son, il y avait l'image et pas le son. Et une fois, il y avait le son et pas l'image. J'ai pas pu coller les deux parce que ça ne correspondait pas. C'est ça l'expérience. Et si je l'avais fait, personne n'aurait rien compris. Donc, chers amis, si vous débutez dans un projet, si vous pensez vouloir réussir dans un projet, donnez-vous aussi le temps. Si vous êtes dans l'urgence, c'est que votre motivation n'est probablement pas au bon endroit. Il n'y a pas d'accélérateur dans les expériences. Nous sommes tous sujets aux mêmes 24 heures, aux mêmes déboires, aux mêmes contraintes. Et nous sommes tous obligés de nous relever quand nous tombons. Ceci demande du temps. Ce sont des marches. Exactement. Donc on passe des marches. Comment on les a là? Exactement, on passe des marches. Et puis ces marches, c'est un échec, c'est une réussite, c'est un échec, c'est une réussite. Et petit à petit, on s'élève dans l'échelle et on monte l'escalier du succès. Mais comme dit Michel, on ne peut pas réussir du jour au lendemain. Donc ceux qui vous font ce genre de promesses, ce n'est pas possible. Soyez vigilants, mes amis. Vous voulez réussir un projet, visualisez-le. Ayez en tête l'objectif pour lequel vous voulez réaliser ce projet. Mais soyez également patient et persévérant. Voilà. Parce que c'est en persévérant et acceptant l'échec que vous arriverez à avoir de la gratitude pour votre réussite. Vous pourrez célébrer votre réussite. Aujourd'hui, je célèbre ma réussite. Si je regarde mes vidéos que je faisais il y a 10 ans, les conférences que je faisais il y a 10 ans, aujourd'hui, je les supprime parce que j'en ai honte. Il est plus beau aujourd'hui quand même. Voilà, soyez patients mes amis, soyez patients. C'est continuer quand on a vraiment envie d'arrêter. On en a parlé dans l'autre vidéo, c'est 5 secondes où on s'est dit j'arrête. Et en fait c'est là que le succès va arriver. Et c'est sûr que quand on peut vous promettre quelque chose, on peut vous promettre d'aller vers le succès si vous faites un certain travail. Mais les gens qui vous proposent d'arriver directement au succès avec un claquement de doigts et en cinq vidéos, c'est pas possible. Exactement. En 5 formations. Exactement. Ça prend du temps et c'est la raison pour laquelle je passe mon temps, moi, à dire que si vous avez un commerce et que vous avez des clients, soignez-les, occupez-vous d'eux,
prenez du temps pour eux et le succès va arriver et vous allez être très surpris du résultat. Exactement. Chers amis, n'abandonnez jamais. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves. Ici, on est dans le pays où les rêves... On est là sur le parvis où Martin Luther King a donné son discours. I have a dream. Si vous avez un rêve, faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour y arriver. Et entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des gens qui vont vous tirer vers le haut. Exactement. Des gens qui vont vraiment croire en vous. Ne vous entourez pas de gens qui vous enfoncent vers le bas. Parce que forcément, ben, vous n'y arriverez pas. Tu as raison, les gens positifs et puis aussi les gens qui ne vous demandent pas tout le temps de l'argent. Exactement. Parce que ça, c'est pas bon signe. Exactement. Ce qui est certain, c'est que c'est sincère, c'est que ça vient du cœur. On est authentique. Là, t'as perdu quelque chose. J'ai perdu ma casquette. Ah, mais non, elle est là. Ah non. Non, je sais plus où j'ai. Là, ta casquette. Ah, elle est où? Elle est là. Ah, j'ai perdu ma casquette. On n'a rien préparé, les amis. Non. D'ailleurs, j'ai retrouvé. Non, parce que quand même, Air Force One, ça m'aurait embêté de la perdre. Hein. Les amis, je vous remercie d'être fidèle à sa vidéo, fidèle à tout ce que je vous, offre et tout ce que je publie. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Pour l'heure, nous, on va aller manger un bout. Oui, on va aller manger un bout parce qu'on avait dit qu'on allait manger un bout, puis on n'a pas mangé un bout. On n'a pas trouvé les hamburgers, on n'a pas trouvé les hot dogs. Hein. Ah, maintenant, je vais aller manger des frites. À bientôt, les amis. Ciao. Ciao.